Bonsoir monsieur. Bonsoir. Allez, c'est parti. Ouais. Déchet, allez, au suivant. Ça dégage. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Allez. Déchet. Allez. Ouais. C'est pas trop comme ça en fait, vibrateur. Moi, ce que je t'invite, c'est à découvrir quelque chose de complètement différent. Ouais. Et on va voir si tu arrives à me battre. Eh ben, on va voir ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a de beau? Bah là, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une table officielle de bras de fer sportif, puisque ouais. Le bras de fer sportif est une discipline officielle, reconnue par l'État, et on fait partie du coup de la Fédération Française de Force, qui est une fédération pluridisciplinaire avec la force athlétique, le culturisme, le kettlebell, functional training, bras de fer sportif, et du coup, bah, on peut oublier tous les clichés qui existent autour de la discipline, puisque le bras de fer sportif, avec son appellation, est une vraie discipline, avec des règles, des techniques, des arbitres, des compétitions. Et on a été sélectionné sur la shortlist des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Donc on n'est pas encore une discipline olympique, mais on est en bonne voie pour le devenir en tout cas. Je vais t'initier maintenant au vrai bras de fer sportif. Allez. Donc là on est une table officielle. Là c'était pas officiel tout ce que j'ai gagné tout à l'heure. Non, ok. Faut vraiment oublier tout ce qu'on connaît. Tant qu'on n'est pas sur une table officielle, c'est compliqué d'en faire. Ouais. Donc là on a le elbow pad, donc ça va être la zone de combat. On a le droit de glisser le coude sur toute cette partie, on n'a juste pas le droit de le sortir ni de le soulever. Si on fait ça, c'est une faute, au bout de deux fautes, on perd le combat. L'objectif, ça va être d'amener son adversaire au wind pad. À toucher. Voilà. Donc, soit comme ça, comme ça, c'est bon. Même si le poignet arrive sous la ligne ici, c'est bon. Ah, ok. Voilà. Et la poignée, il faut être tout le temps en contact avec elle du début à la fin. Tu peux la tenir comme ça si tu veux. Tu peux la tenir comme ça. Voilà. Tant qu'il y a le contact, c'est bon. Et du coup, pour la technique, comme on va faire bras droit, tu vas avancer ton pied droit au milieu de la table. Ouais. Tu fléchis, ah oui. Tu tires, fléchis. Et tu te penches avec ton poids de corps. Ça, tu le soulèves, ah et oui. Après tu mets ton aisselle ici et tu comme te penches. Ça. Voilà. Et après, penche-toi, n'hésite pas. Voilà. Allez. On en fait un vrai? Ah ouais, c'était pas un vrai là. Bon, je suis plus ou moins parti là, je jauge. Vas-y, jauge. Et là, je ramène vers moi. Mais il y a comme une résistance, c'est pas normal. Ça va pas le faire. Mets les deux bras. Comment ça? Prends ton autre main et appuie avec. Ah mais ça on a pas le droit. Non, on a pas le droit, mais bon. Allez, j'y vais. Ça c'est pas homologué comme position, mais non, c'est pas grave. Pas homologué. Ça touche quasiment. Le record est quasiment à ça d'être fait. Mais ça ne touche pas. Vas-y, essaye un. Oh oui, joli. Ah oh, putain. Ah ouais. Moi ce que je te propose c'est que tu mettes les deux bras, okay. Tu forces avec tes deux bras et que tu te suspendes totalement à mon bras. Et là, je vais peut-être gagner. Et là, tu auras une chance de gagner. J'ai une chance de gagner, ok. Je tente un gauche. Un gauche, c'est parti. Allez. Donc attends, je me mets en pause. C'est ça, donc mets directement ta main. Comment non, en fait, tu te laisses tomber avec ton corps et tes pieds ne touchent plus le... Ah mais ça va. Non, ça marche pas non plus. En aucun cas, je ne peux battre cet homme. Monte sur la table. Allez. Vas-y, tu peux y arriver, hein. Ouais, je pense. Je vais pas te faire mal. Non, ça va. Attention, c'est fait par des professionnels. Ouais, hein. C'est encadré. Tu me dis quand tu forces, hein. Ouais. Parce que là, on est pas mal, là. Bon. A priori... Bravo, Kumar. Merci, monsieur. Avec plaisir. Bon, bah voilà, je viens de me faire humilier en règle. C'est aussi ça, sport en France. Allez, bonsoir.